Indissociables de l'expérience de jeu, les musiques de nos titres préférés deviennent souvent des souvenirs impérissables. Vous aussi, j'en suis sûr, vous vous êtes déjà surpris à fredonner les quelques notes du thème principal de votre jeu adoré en vous levant le matin, si vous ne l'avez pas carrément en sonnerie de portable. Sans plus attendre, voici notre top 10 des thèmes musicaux les plus emblématiques du jeu vidéo, avec deux petites précisions toutefois. D'une, il ne s'agit pas d'un top 10 des meilleures musiques que l'on réserve pour une autre occasion. De deux, notez que la fameuse musique de Tetris n'y figure pas, puisqu'il s'agit en fait d'une musique traditionnelle russe appelée le Korobei Niki. Allez, c'est parti! On démarre ce top 10 avec les aventures de Lara Croft qui s'ouvre régulièrement sur ce thème principal. Si ces notes ne vous disent rien, soit vous n'avez jamais fait un Tomb Raider, soit vous avez une violente aversion pour les open screen. En quelques secondes, on ressent l'appel de l'aventure et surtout de l'exploration, avec une furieuse envie de nous enfoncer dans d'anciens temples appartenant à des civilisations perdues à la recherche de trésors oubliés. Depuis 1996, cette musique composée par Nathan McCree n'a jamais perdu de sa superbe et de son efficacité. Changement total de cadre pour cette 9ème place, c'est la machine de guerre Snake qui nous accompagne avec le thème principal de Metal Gear Solid. A son écoute, on s'attendrait presque à entendre le bruit distinctif du codec tellement il nous replace dans le contexte de la série. Digne des films d'action, ce thème nous transpose d'office dans l'épisode original sorti en 1998 sur PlayStation. Meryl, Sniper Wolf, Psycho Mantis, des moments épiques qui ont ouvert la voie au genre infiltration qui perdure encore aujourd'hui. Toutefois, on osera se permettre de remettre en cause l'originalité de cette musique, puisqu'elle comporte des similitudes plus que marquées avec la composition Winter Road de l'artiste classique russe Georgi Sviridov, paru en 1975. Quoi, vous ne saviez pas que la musique de MGS était un plagiat? Eh ben, au moins on vous aura appris un truc. En 8ème position, c'est la saga Final Fantasy qui nous ravit les oreilles avec la douce mélodie de son prélude, aussi appelé Crystal Theme. Depuis le tout premier opus, il est le synonyme du début d'une aventure longue et prenante, que ce soit les pérégrinations des gardiens de la lumière, la quête de rédemption de Cécile ou encore l'aventure intérieure de Cloud. Comme souvent avec les thèmes principaux, le Crystal Theme aura subi des variantes au fil des années, même si on essaiera d'oublier la version de Final Fantasy X. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Bref, ce prélude reste le fier représentant d'une série qui nous aura laissé de nombreuses marques indélébiles. À la 7ème place, on se retrouve devant un cas plutôt rare. Si pour les séries, les thèmes principaux sont souvent le même depuis le premier opus, The Elder Scrolls joue la carte de la différence puisque c'est Morrowind qui aura au final introduit le leitmotiv le plus évident de la saga. Magnifique et épique, il comporte en son sein toute l'essence de l'aventure Elder Scrolls, à tel point qu'il en est maintenant indissociable. Remis en avant dans Oblivion, puis dans Skyrim sous les puissants Dovahkiin, nul doute qu'il accompagnera aussi le 6ème opus de toute sa superbe. Qui s'en plaindra franchement ? Et oui, c'est un jeu de combat qui se situe à la 6ème place avec Street Fighter 2 et son fameux Gaeltem. Du bon vieux rock presque trentenaire, rien de mieux pour nos esgourdes. Le combattant en treillis, américain jusqu'à la pointe de la brosse, bénéficie d'une musique tellement épique qu'elle en est devenue un mème sur internet avec le fameux Gaeltem Goes With Everything qui montre à quel point elle peut être adaptée à toutes les situations. You son of a bitch. Bon, pour dire vrai, on aurait aussi pu citer le thème de Ken, mais je pense que c'est juste la preuve que les musiques de Street Fighter 2, composées par une toute jeune Yoko Shimomura, font définitivement partie du paysage vidéoludique. En manque de métal, prenez donc un peu de At Doom's Gate, le thème iconique de Doom qui en 3 notes nous met directement dans le bain d'hémoglobine du fast FPS. C'est furieux, c'est dément et ça donne envie de dézinguer tout ce qui bouge.
Ça tombe plutôt bien puisque Doom, sorti en 1993, est sans doute ce qui s'éloigne le plus du jeu de réflexion. C'était la sulfateuse qu'on démantibule du démon sur des riffs effrénés, non sans inspiration puisque ce morceau composé par Bobby Prince sent le Metallica à plein nez, sorte de mix entre Master of Puppets et No Remorse. Si Halo est le jeu le plus récent de la liste, il n'en est pas moins emblématique, méritant ainsi la 4ème place de ce top. Il faut dire que le morceau, aussi intitulé Halo de Marty O'Donnell, est peut-être le thème le plus reconnaissable d'un jeu sorti au 21ème siècle. Il est tellement ancré dans le monde du jeu vidéo que vous l'aviez sûrement reconnu au premier cœur, même si vous n'avez jamais touché à un jeu de la série. Composé très tôt dans le développement du jeu à une époque où il n'était même pas encore prévu comme un FPS, ce thème aura même aidé Bungie, selon l'histoire, à intéresser son futur éditeur. Quand on sait ce que ça a donné par la suite, tout est dit. Une légende du jeu vidéo s'installe à la 3ème place. Sonic reste dans les mémoires de nombreux gamins des années 90 et le thème de Green Hill Zone n'y est sans doute pas étranger. Pendant qu'ils essayaient d'éviter les pics et les animaux robots, cette musique mythique se gravait doucement dans leur mémoire et ce pour la nuit des temps. Plus iconique encore que le thème du menu principal, comme souvent avec les jeux de plateforme, la musique du premier niveau est une madeleine de Proust à elle toute seule, représentant non seulement le hérisson, mais Sega dans son entièreté. C'est à la 2ème place de ce classement que l'on retrouve notre fameux plombier et son ground theme, musique des niveaux à l'air libre de Super Mario Bros. Peut-on vraiment dire des choses qui n'ont pas déjà été dites sur cette composition de Koji Kondo? Si ces sonorités nous rappellent définitivement le style jazzy de l'artiste japonais, elles sont surtout pour beaucoup l'un des représentants les plus évidents du jeu vidéo. Sachez d'ailleurs que le placement du premier Goomba dans le premier niveau n'est pas anodin. Si vous sautez en rythme avec la musique, vous l'écraserez. On n'aura pas jusqu'à parler de synesthésie, mais cela prouve juste que rien n'a été laissé au hasard dans Super Mario Bros. Ben ouais, on ne devient pas un des plus grands chefs-d'œuvre du jeu vidéo, au petit bonheur la chance. Eh mais attendez, si Mario est deuxième, qui est premier ? Vous pensiez vraiment qu'on allait faire un tel classement sans Zelda ? C'est à la première place de ce top que se place Overworld, nom du thème principal des premiers pas de Link dans le jeu vidéo. Peut-on faire meilleure invitation à l'aventure? Avouez que vous avez envie de brandir votre épée et d'aller chasser des moblines sur la route de Ganon et de ses vassaux. Alors que la thématique principale de la série a toujours été le courage, Overworld aura subi quelques variations sans ne jamais trahir cette pensée, portant le héros dans son périple et le joueur dans sa découverte. Voilà pourquoi il reste, pour nous, le thème le plus emblématique du jeu vidéo, au nez et à la moustache de Mario.